Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier temps fort de la campagne des municipales à Bordeaux avec un premier débat Sud-Ouest et TV7 ce soir consacré au thème de la sécurité. Un format particulier avec donc, vous l'aurez vu, quatre candidats à cette élection. Autour de la table, Nicolas Florian, le maire, c'est donc votre fauteuil qui est convoité. Bonsoir à vous. Pierre Urmic pour Europe Écologie Les Verts. Bonsoir à vous. Thomas Cazenave, investi par La République En Marche. Bonsoir. Et Vincent Feltès, ancien candidat socialiste en 2014 et qui cette fois se présente avec le collectif Bordeaux Métropole des Quartiers. Alors une précision importante aussi, le CSA dans cette période de pré-campagne nous impose donc une équité de temps de parole. Aussi bien sûr les autres candidats déclarés, Bruno Paluto pour le Rassemblement National ou encore Pascal Jarty, auront bien sûr voix au chapitre sur le sujet, sur nos différents supports. Oui, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de sécurité. Pourquoi la sécurité? Puisqu'il nous est apparu en cette rentrée que le sujet était en train de monter un petit peu sur le devant de la scène. Il suffit de lire Sud-Ouest, la chronique des faits divers, où chaque week-end, pas un week-end se passe, sans qu'il y ait un récit de bagarre. On a vu des scènes à Bordeaux, hors gilets jaunes évidemment, mais des scènes de bataille rangée du côté du quartier Saint-Michel, un jeune homme qui a perdu la vie, place Saint-Projet, il y a quelques jours. C'est un sujet nouveau qui n'existait pas en 2014, qui en tout cas qui a été très peu abordé. Et aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous avaient mis sur la table quelques-unes des propositions. C'est votre cas, Thomas Cazenave, Nicolas Florian également, Vincent Feltès aussi. On vous écoutera avec attention, Pierre Urmic, encore le cas, puisque vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas exprimé sur le sujet. Alors, doit-on parler de sentiment d'insécurité? Doit-on parler d'insécurité? On va le voir, puisque nous avons des chiffres qui vont nous permettre de cadrer le débat. Alors, on le sait, les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut. Mais en tout cas, ça nous donnera quelques éléments. On va regarder ces chiffres qui sont des indicateurs précis. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, Bordeaux n'est pas une ville de grande criminalité. En revanche, ce qui se détache, c'est quoi? C'est que cette délinquance du quotidien, celle qui pourrit le quotidien des Bordelais, est en augmentation. Quelques chiffres, les cambriolages, plus 24% l'année dernière. Les vols violents sans armes, c'est le téléphone qu'on vous vole dans la rue. Alors, il y a un peu de violence, mais il n'y a pas d'armes. Plus 15%. Coups et blessures, là, on est à l'étal. 1500 faits commis pour cette année. Et puis, si on regarde les vols dans les véhicules, eh bien, cette année, 3534 faits, plus que pour le reste de l'année 2018. Voilà pour les éléments de cadrage. Raphaël. Voilà pour les chiffres. Donc, il y a quelques jours, lors d'un point presse autour du quartier de Reconquête républicaine de Bordeaux-Maritime, Nicolas Florian, vous avez déclaré « Nous sommes presque à une bascule. On doit empêcher que la situation dégénère. Il faut de l'autorité, de la fermeté. Nous allons déployer des nouveaux moyens ainsi qu'une façon de travailler ensemble dans d'autres quartiers où les choses se dégradent. » Alors Nicolas Florian, Bordeaux n'est plus une ville sûre aujourd'hui? C'est une ville sûre, mais comme vous le signaliez, et les chiffres le démontrent, nous sommes à un moment critique. Et nous n'avions pas l'habitude à Bordeaux d'avoir des actes délictueux, des actes de violence. Et mon rôle en tant que maire, c'est de dresser des alertes et de prendre des décisions. Et plus que des propositions, c'est dans l'action. Et d'ailleurs, je remarque que Bordeaux n'est pas la seule concernée par ça. Le ministre de l'Intérieur lui-même produit un livre blanc sur la sécurité. Et d'ailleurs, il interroge, par le biais des préfets, les communes. Ça fait 2 mois que ça dure. Et donc, il y a un sujet national, de violence globale nationale. Mais moi, je m'intéresse à Bordeaux. Et l'enjeu, c'est de savoir quelles sont les réponses immédiates pour éviter justement qu'il y ait cette dégradation dans l'espace public. On parle de sentiment d'insécurité, mais je parle d'insécurité tout court, en faisant bien la différence entre ce qui relève de l'incivilité et des faits de délinquance. Voilà le sens du message, et notamment du travail collaboration. C'est une mauvaise référence. C'est une mauvaise référence. De collaboration avec l'État, les services de police de l'État. C'était le sens de la réunion que nous avons faite l'autre jour avec Mme le préfet. On va détailler vos propositions. On va détailler tout ça. Vincent Feltès, alors Bordeaux, on est plus Monaco ou Chicago? Non, ce que montrent pas vos tableaux, c'est le fait que maintenant, cette délinquance est dans tous les quartiers de Bordeaux. On avait l'habitude de problèmes, rue Légintrac, rue des Forts, du côté de Bacalan, Aubier et tout. Et sur les cambriolages, maintenant, il y en a sur toute la ville. Il y a même eu, l'autre fois, je discutais avec des policiers, parce que j'en ai beaucoup vu ces derniers temps, un vol à l'arraché en face du commissariat. Donc, des gens qui, visiblement, ne savaient pas que c'était le commissariat. Et de même, c'est 24 heures sur 24. On sait bien qu'à partir de minuit, sur tout ce qui est vol à l'arraché, téléphone, c'est très important et ça concerne toutes les populations. Mais j'allais dire, on est dans une espèce d'emballement que la ville connaît. Bordeaux n'est plus la ville
provincial, calme. Ça vaut pour le prix du logement, ça vaut pour les embouteillages, ça vaut pour l'insécurité. Et donc, comment on répond à ça? Mais il ne faut pas non plus se tromper. Là aussi, les chiffres sont clairs. On n'est pas sur des vols à main armée, on n'est pas sur des homicides. On est sur de la délinquance, mais pas de la délinquance grave. Et donc, il faudra aussi graduer nos réponses. Thomas Cazenave. Oui, ben les chiffres le montrent, la situation s'est dégradée, mais au-delà des chiffres, c'est aussi ce que nous disent les Bordelaises et les Bordelais. On va les entendre dans un instant d'ailleurs. Mais oui, mais quand vous êtes à leur rencontre, ce que je fais depuis des mois maintenant, à la Cité de la Bonne Auge, au bâtiment D, à Carl Vernet, à Saint-Michel, sur la dalle de Mériadec, quand vous leur posez la question « quelles sont vos attentes pour les municipales ?», la question de la sécurité arrive très rapidement dans les attentes et dans les demandes pour les prochaines municipales. Donc ce sentiment-là, il existe, les faits le prouvent, et ça pose surtout la question de la présence. Je crois que plus que la très grande délinquance, on n'attend pas de la police municipale qu'elle démantèle des grands trafics de drogue. En revanche, on attend plus de présence, et ça pose la question de l'organisation et de la présence de la police municipale. On va l'évoquer, Thomas Cazenave. Pierre Mick, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Alors dites-nous, pour vous, c'est quoi votre constat aujourd'hui à Bordeaux ? C'est dans le sujet programmatique. Le constat, vous avez rappelé, Bordeaux n'est ni Monaco ni Chicago, je rajouterai ni Vaux-en-Velin non plus. C'est une ville traditionnelle qui n'est traditionnellement pas trop concernée par des faits de délinquance. Je vous dirai, moi, comment j'ai abordé la préparation de nos positions sur le problème important de la sécurité. D'abord, je vous dis, ma profession m'a un peu familiarisé à l'aspect pénal, répressif, qui est l'un des aspects. Voilà, je suis avocat, ce qui n'est qu'un des aspects de la question. J'ajouterai que j'ai eu également des responsabilités associatives importantes dans une association de prévention de la délinquance et de contrôle judiciaire, la RSCJ, qui m'a un peu familiarisé aussi avec ces problématiques-là. Et au niveau de la méthode, j'ai eu le souci de rencontrer des policiers municipaux, des syndicats municipaux, des syndicalistes de la police nationale, pour essayer de me faire une idée plus précise. Ce n'est pas que des chiffres, hein, la situation de Bordeaux. Et je suis arrivé à deux constats, si vous me permettez. Le premier constat, je l'avais fait un peu en tant qu'élu, pour tout vous dire. Il y a actuellement une confusion entre les missions de la police nationale et de la police municipale. On va en parler, Pierre. Voilà. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est le fait que, je crois que nous serons tous d'accord, mais peut-être pas sur les solutions, mais en tout cas sur la façon de poser le problème, c'est un manque de policiers, autant municipaux, monsieur le maire, que de policiers nationaux dans les rues. Ça manque de bleu, quoi, comme disent un peu les syndicalistes entre eux. Je pense que ces dernières années, on n'a pas augmenté le nombre de policiers, alors que les policiers, vont ils dire, sont de plus en plus accaparés par des tâches administratives. Voilà un peu le double constat, sans être interrompu. Merci, monsieur le maire. Le débat va pouvoir se dérouler. Alors, je crois que vous êtes plutôt d'accord sur le constat. Maintenant, on va regarder le constat que dressent quelques Bordelais. Ça n'a certes pas une valeur sondagière ou scientifique, mais en tout cas, c'est le ressenti qu'on a pu saisir dans les rues de Bordeaux ces derniers jours. Il y a une ville qui grossit, une ville qui amène aussi son lot de délinquance et de dealers. Dans le quartier Saint-Michel, on peut remarquer des zones particulièrement sensibles. Et ça va en grandissant et ça fait peur. Ça fait 2 ans que j'habite ici, je me suis jamais fait embêter. Pourtant, je sors quand même assez régulièrement. Les quartiers sont quand même... en tout cas, dans le centre, il n'y a pas de problème. Les seules fois où je rentre un peu tard de la périphérie de Bordeaux, ça va être quand je rentre de la fac, etc. Donc là, ouais, sèche et tout, parfois, ça peut... Ça, de temps en temps, c'est peut-être les rares moments où je me suis dit, ouais, faut pas que je me traîne là tout seul trop longtemps. Aux alentours de Porte de Bourgogne, il y a Saint-Genès, il y a Cours de la Marne, ouais. Victoire, enfin, beaucoup d'endroits, en fait, où, enfin, en tant que jeune fille, en tout cas, je sais qu'il faut pas trop traîner le soir. On a subi un vol avec effraction dans la nuit du 1er janvier, et ça, c'est un problème traumatisant. Sinon, je pense que la sécurité dans les rues de Bordeaux, elle est assurée, hein, par les services existants, et elle est satisfaisante. Voilà, un sentiment d'insécurité, parfois une insécurité réelle. Comment vous réagissez, messieurs, et qu'est-ce que vous répondez à ces Bordelais ? C'est très partagé, on le voit. Il y a ceux qui sont concernés, et ça a été dit, et il ne faut pas le nier. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que l'État nous propose, en 2018, de faire un quartier de reconquête républicaine. Et c'est le sens du travail qui est mené sur Bacalan et Bordeaux-Maritime. Là où c'est nouveau, et c'est ce que disait Vincent Feltès, c'est que ça se diffuse un peu largement. On peut toujours rentrer dans le débat de savoir qui fait quoi, qui fait plus, qui fait mieux. Moi, je veux qu'on fasse ensemble. Et j'ai entendu le message du président de la République au Congrès des maires avant-hier qui dit
Les questions de sécurité, c'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est le continuum de la sécurité. Il faut que chacun participe collectivement à avoir cette réponse immédiate. Plus de présence, OK. On a fait 20 recrutements de policiers municipaux depuis un an. On va en faire d'autres et on arrivera à un effectif à peu près de 200 policiers municipaux. Simplement sur cette question de la géographie. On accorde à la police nationale l'accès direct sur le centre de vidéoprotection. Ne vous inquiétez pas, on a une heure. Mais c'est pour dire qu'on n'attend pas des élections municipales pour répondre. On s'adapte. Et quand je dis... Oui, mais c'est ce que je fais, M. Feltès. C'est pour ça que moi, je n'attends pas des élections pour prendre des décisions, être dans l'action. Et c'est pour ça qu'on travaille, d'ailleurs, en étroite collaboration avec les uns et les autres. Thomas Cazenave. Oui, il faudrait réagir au reportage, notamment la jeune fille qui s'exprime. Je pense que la parole des femmes s'est libérée ces derniers mois et ces dernières années. Et elles expriment notamment, à travers le sentiment d'insécurité, la question du harcèlement. Du harcèlement dans la rue, du harcèlement dans les transports. Il y avait une étude menée par des sociologues en 2016 qui avait montré, sur un panel assez large d'ailleurs, qu'une part importante d'entre elles se sentait parfois en insécurité pour cette raison-là. Moi, c'est la raison pour laquelle je considère que le harcèlement doit être une de nos priorités, exprimée notamment par les femmes. Et je trouvais que le témoignage de cette jeune fille éclaire aussi d'un jour nouveau ce qu'on met derrière le sentiment d'insécurité. Pierre Urmic, sur cette géographie de l'insécurité à Bordeaux, les lignes ont bougé. Oui, mais assurer la sécurité publique, j'ai tendance à dire, c'est un vrai métier. Les policiers municipaux, par exemple, ne sont pas formés, ne sont pas compétents pour s'occuper de sécurité publique. Ce que je voulais dire il y a quelques instants, c'est qu'on a un glissement progressif des charges qui sont normalement dévolues à l'État, c'est-à-dire la sécurité des personnes et des biens, dont ils se défaussent de plus en plus sur une police municipale qui manifestement n'est pas du tout formée là-dessus. La police municipale, c'est pour schématiser la tranquillité et les incivilités. Il y a de la part de l'État une façon de vouloir de plus en plus, avec la complicité de certains maires comme celui de Bordeaux d'ailleurs, de vouloir de plus en plus se défausser de ses responsabilités nationales. Je vais être plus précis, puisque vous semblez vouloir défendre l'État, et je le comprends fort bien. Sachez qu'à Bordeaux, il y a 1800 fonctionnaires. La sécurité, je pense qu'il faut partir de bons chiffres aussi. 1800 fonctionnaires, officiers inclus. Là-dessus, vous avez 1200 gardiens de la paix. Sur ces 1200 gardiens de la paix, vous en avez à peu près la moitié seulement qui sont sur le terrain. Les autres, je le disais, c'est des tâches administratives. Ils sont dans le bureau en raison des charges qui pas sur eux. Et alors, paradoxalement, que fait l'État? L'État nous dit à nous, élus municipaux, je parle même sous le contrôle de Vincent Feltès, je ne peux plus assurer la sécurité de certaines manifestations municipales, comme la foire de Bordeaux. Il y a eu des rixes à la foire de Bordeaux. Donc l'État nous dit, la police nationale n'est pas là pour régler ce type de problème. On vous demande à vous, ville, d'embaucher des vigiles, des agents de surveillance pour faire le job de l'État. Moi, j'étais contre. Le maire de Bordeaux était pour. Moi, j'étais contre. Il y a un glissement, monsieur Cazenave. Vous allez peut-être le justifier, parce que vous êtes proche du prince, mais il y a quand même un glissement que vous ne pouvez pas contester. Monsieur Urmic, ce que vous semblez... Je vais compléter. Je vais quand même répondre sur l'État, compte tenu de la position qui était encore la mienne jusqu'à vendredi dernier. Vous semblez juste oublier... Nicolas Florian le rappelait, que le ministre de l'Intérieur a installé un quartier de reconquête républicaine à Bacalan, à Bordeaux-Maritime. Quartier, qui s'est traduit, Vous savez, monsieur Urmic, on est là pour parler de sécurité, de lutte contre les incivilités. Oui. On doit donner l'exemple. Et se couper la parole, ne pas respecter les règles du jeu, c'est un mauvais exemple que l'on donne en matière de civilité. Donc je vais aller au bout de ma réponse. Vous savez que l'État a renforcé les moyens de police, 15 effectifs supplémentaires sur le quartier de Bacalan, plus une équipe stup en charge des stupéfiants installée. Donc, c'est assez faux que de dire que l'État se défausse. En revanche, ce que vous semblez oublier, c'est que les forces de police nationales ont été extrêmement mobilisées pendant toute la période des Gilets jaunes. Effectivement. Donc, le continuum entre la police municipale et la police nationale, il est absolument indispensable. Mais les faits sont têtus, monsieur Urmic. L'État a fait plus que prendre ses responsabilités dans un des quartiers dans lesquels la sécurité, en effet, à Bacalan, est une vraie préoccupation des habitants. Je pense que le problème, ce n'est pas juste un quartier. Il faut prendre un peu de recul, et les quatre témoignages étaient intéressants. Parce qu'on voyait bien que ce n'était pas de la grande délinquance et que c'était des problématiques résolues il y a quelques années par ce qu'on appelait la police de proximité. Cette police de proximité a été supprimée à l'époque par Nicolas Sarkozy. Il y a eu une baisse des effectifs. Puis après, il y a eu les attentats. Puis après, il y a eu les manifestations parfois dures. Et après, il y a eu la cybercriminalité. Et ce qui fait que les missions de la police nationale, quand on regarde sur les 10 dernières années, ont beaucoup évolué. Et que la police nationale n'est plus qu'une police d'intervention et d'affaires un peu
dur. Et face à ça, il y a deux possibilités. Ou on regrette ce désengagement de l'État, mais tous les élus font ça, toute étiquette confondue, où on se dit que la mission de la police municipale aujourd'hui, à Bordeaux, où ça dérape un peu, c'est de reprendre ce rôle de police de proximité il y a quelques années, mais il va falloir monter en gamme, y compris en termes de formation. Je vous rappelle que la formation d'un policier municipal, c'est 6 mois, la formation d'un gardien de la paix, c'est 12 mois, donc on ne va pas pouvoir basculer d'une police municipale réellement de proximité à une police municipale qui faisait beaucoup de voirie, d'incivilité, du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut totalement redistribuer les cartes entre l'État et la police municipale. C'est des politiques complémentaires. Et plutôt que d'essayer de se décharger de ses responsabilités, bon, c'est vrai qu'il y a un sujet, et Pierre Urmic le disait, et que la police municipale n'a pas à se substituer à la police nationale. Elle doit travailler ensemble. Mais je rappelle qu'il n'y a pas que ça, pas que la question de savoir combien d'effectifs est-ce qu'il font. Il y a tout ce qui se passe. Moi, cette année, on a rajouté 500 000 euros de subventions directes aux associations qui font de la médiation, qui font de la prévention. Oui, parce qu'avant de parler de sécurité, de répression, d'îlotage, il y a tout ce travail de médiation et de prévention. Et heureusement qu'on le fait. Et puis, moi, je veux penser surtout aux victimes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend des décisions et qu'on on agit. Parce qu'on pense aux victimes, celles d'aujourd'hui, et puis celles qui pourraient être là demain. Et c'est pour ça que, moi, mon souci, c'est d'éviter que l'on sombre dans un vrai climat d'insécurité. Je ne parle plus de sentiments, parce que l'insécurité, vous la vivez ou vous ne la vivez pas. Et la réalité, c'est que certains la vivent. Bon. Donc, et ce n'est pas qu'une question de moyens humains. On va néanmoins en parler des moyens. J'ai aussi saisi Madame le procureur, parce que parmi les dispositifs, il y a aussi celui qui permet, avec le rappel à l'ordre, d'identifier notamment des jeunes adultes ou des ados qui sont justement à cette bascule entre l'incivilité et le futur délinquant. Et ça, on va le mettre en place. Ça marche dans d'autres communes. On va mettre en place un conseil des droits et des devoirs et aider les familles à accompagner tous ces jeunes. S'agissant de la grande délinquance, du banditisme, c'est le travail de l'État, c'est le travail de la police, de la police nationale. Mais on est là pour l'aider. Thomas Cazenave. Non, mais je voulais dire que la police municipale, elle se substituera jamais à la police nationale. De quoi on parle ? On parle d'incivilité, on parle de conflit de voisinage, on parle d'occupation de l'espace public. C'est ce qu'elle fait déjà. C'est deux missions. Hélas, c'est ce qu'elle fait déjà. Je vais vous dire, monsieur Florian, je trouve qu'elle ne le fait pas très bien. Et que la crise de la police municipale. Je leur dirai, moi je les ai rencontrés il y a quelques jours. Ils sont plutôt dévoués, ils sont prêts à s'investir. Une question, messieurs, parce que le temps passe. Messieurs, une question, c'est quelque chose que vous avez tous abordé. Je vais finir ma phrase et je regrette une nouvelle fois. Vous avez coupé la parole, monsieur Cazenave, vous avez vu ? Effectivement, qu'on ne se coupe pas la parole. Je trouve ça. Je ne le ferai plus, je le ferai parfaitement. Non, mais attendez, on est là pour donner l'exemple. Vous voulez le faire. Les incivilités. Non, j'essaie de finir ma phrase. C'est exactement. La police municipale, elle est en crise depuis plusieurs années. Crise de vocation, énormément de difficultés à recruter. Vous-même, vous le reconnaissez, les chiffres que vous annoncez sont des chiffres de recrutement qui n'ont pas été faits. Pourquoi ? Parce qu'elle a un grand défaut d'organisation, de présence sur le terrain. Oui, bien sûr qu'il y a une crise de la mission. Je ne veux pas, être mal poli, mais je me permets de vous couper. Ouais. Non, ce n'est pas correct de dire que la police municipale ne fait pas bien son travail. Elle fait bien son travail. Il nous faut des effectifs supplémentaires. Ce n'est pas qu'on a du mal à recruter parce qu'on n'est pas attractif. C'est qu'aujourd'hui, c'est un problème qui concerne toutes les villes de France. Et toutes les villes de France ont besoin de policiers municipaux parce que justement, il faut compenser. Dans vos propositions, messieurs, vous avez tous évoqué les effectifs de la police municipale. Aujourd'hui, il y a 135 policiers municipaux à Bordeaux, dont 115 Il y en a un peu plus. Il y en a 135 sur le terrain. Il y en a 22 au CVPU. Et il y en a 11 qui sont au PC radio. Est-ce que c'est suffisant des effectifs pour une ville théorie de 150 000 habitants? Non, c'est pas suffisant. C'est pour ça que nous en avons recruté 29, nous allons recruter 20, et s'il faut, il faut en recruter un petit peu plus. Enfin, à un moment ou à un autre, moi, je ne peux pas non plus me substituer totalement au travail de l'État. Voilà. Bon. Là, on est complémentaires là-dessus. Alors, je vais couper la parole. Je veux juste répondre là-dessus. Xavier Sautat me donnait la parole à l'instant, donc je vais aller. Et moi, c'est aller... Raphaël, donc je suis une neurodame. Bon, mais alors je sais. Allez-y. Bon, je voulais répondre à... Moi, je vais défendre, si vous voulez, la police municipale. Vous représentez le ministre de l'Intérieur. C'est normal, vous défendez la police d'État. La police municipale, nous la connaissons bien. Nous savons qu'elle travaille dans des conditions difficiles. Et plus vous vous retirez de vos fonctions régaliennes, mais il n'y a pas que moi qui le dis, monsieur Cazenave, ne faites pas semblant de découvrir le monde. Plus l'État se retire de ses fonctions régaliennes pour des raisons strictement comptables, plus sur le terrain,
les policiers municipaux doivent accomplir des tâches pour lesquelles ils ne sont pas formés. Ils sont formés pour la tranquillité publique, pour les incivilités. Ne leur demandez pas de faire le job, j'ai envie de dire votre place, puisque vous prenez l'État, à la place de l'État et des policiers nationaux. C'est un glissement que, excusez-moi d'insister là-dessus, je trouve ça extrêmement préoccupant et dangereux. Mais nous, dans les propositions qu'on a faites la semaine dernière, en présence de femmes, Anne Cadio-Feit, première bâtonnier femme à Bordeaux, et Anne Groussin, qui est une militante associative, notamment sur les violences envers les femmes, on avait deux propositions et deux grilles d'analyse. On n'est pas parti dans les batailles de chiffres, les effectifs, parce qu'en plus, je ne suis pas sûr que ça parle vraiment. Première chose, c'est réorganiser la police municipale quartier par quartier. Ce qui est déjà on le cas. Bien. Ce qui non, est déjà le cas, avez... Vincent. Mais Nicolas, arrête si je peux de... finir mon propos, c'est mieux. Oui, mais je ne peux pas, lire des contre-vérités. D'accord. Est-ce qu'il y a des commissariats municipaux par quartier ? Il y a six commissariats. Non, non, est-ce qu'il y a des commissariats municipaux commissariats par quartier ? De police nationale Nicolas Florian, et de non, non, mais poste. Est-ce qu'il y a des commissariats le, municipaux public non, non, le mais... plus proche de la mairie de quartier, non, non, mais... par exemple que... de Codérance, mais... c'est un poste de police. Nicolas alors, Florian, arrêtez est-ce de dire que des... vous pouvez répondre à ma question ? Est-ce qu'il y a des commissariats non, municipaux c'est pas notre rôle. Par non, quartier ? Ce n'est d'accord, pas notre rôle, puisqu'il y a des commissariats de la police nationale. Il y en a six. Contre cette proposition, nous, ça nous paraît important qu'il y ait une présence. Oui, je peux finir ma phrase ou pas ? Mais plutôt je de sais dire bien des... vous n'êtes pas très à l'aise, mais laissez les autres voilà, finir. Bon, quand même. Oui, donc prie. La proposition, c'est 8 commissariats municipaux avec une forte amplitude horaire. Ça ne quand, à rien. Quand vous allez rue du Loup, mais ça c'est ne sert surtout à rien. Face à votre échec en matière d'insécurité, vous êtes bien placé non, pour donner des rien. Leçons. Premier point, c'est des commissariats municipaux avec une forte amplitude horaire pour être plus ancrés dans les quartiers, pour travailler avec la population qui a besoin d'avoir plus d'informations, pour travailler avec les associations, pour travailler avec les sociétés de sécurité privées, donc un vrai ancrage, et sur d'autres missions, notamment la nuit, l'échelle métropolitaine, parce que sur la métropole bordelaise, nous n'avons pas de police intercommunale qui commence à se développer ailleurs, même si c'est compliqué, parce qu'un tiers des communes sont en zone gendarmerie, mais typiquement, pour la nuit, où on sait qu'il y a un certain nombre de problématiques, et on sait que la police municipale est absente durant quelques heures la nuit, qui est une capacité oui. d'intervention voilà. aussi. Donc et c'est les deux échelles, le quartier, quartier et la métropole. Et la métropole. Thomas Cazenave, vous vous proposez oui. également d'installer dans vos 16 quartiers, vous avez redessiné la ville, 16 quartiers, 16 oui. commissariats de quartier. Alors, ça ne sert à rien, comme le dit Nicolas Florian. Je vais répondre. D'abord, je vais répondre sur deux points. Je ne mets pas en cause les policiers municipaux. Je partage leur désarroi. Sur le sens et leur modalité d'intervention. Oui, il faut qu'ils soient organisés à la maille des quartiers, dans une maille plus fine que celle qu'évoquait par Vincent Feltès, à la maille des 16 quartiers, entre 10 et 15 personnes qui connaissent bien le quartier, qui connaissent bien les commerçants, qui connaissent bien voilà, les endroits où il y a des difficultés. Et je veux dire, on peut porter un regard lucide. On peut dire, oui, aujourd'hui, la fonction de la police municipale n'atteint pas ses objectifs, sans incriminer les agents. C'est la responsabilité du maire de bien l'organiser, et y compris dans une logique de territorialisation. Deuxième élément, ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux pour remplir l'ensemble de leur mission. Ils ne sont pas assez présents. Je suis désolé, Place de l'Europe au Grand Parc, on ne les voit pas souvent. Alors même que le centre commercial ferme parce qu'une partie de l'espace public est occupée. Voilà. Et donc, moi, ce que je propose, c'est une organisation à la maille de nos 16 quartiers. Et je pense qu'il ne faut pas créer de commissariat. Pas besoin de murs. Je veux des policiers municipaux sur le terrain, présents, visibles, accessibles, y compris pour les victimes. Et le déficit de recrutement, les difficultés de recrutement, ça traduit un problème d'attractivité du métier. Ça traduit finalement un problème, à Bordeaux en particulier, un problème d'attractivité. Alors Nicolas Florian. Non, enfin, comme je le disais, il y a déjà 6 commissariats de la police nationale et postes sur le territoire. J'ai quelques exemples à Codéran, ça touche la mairie de quartier. Qu'on ait besoin, et c'est le sens de la réorganisation que nous avons faite il y a 2 ans, à l'époque je n'étais pas maire, j'étais adjoint au RH, je me suis occupé de ce dossier. On a fait une sectorisation, parce qu'on considère... C'était compliqué d'ailleurs. C'était compliqué, bien évidemment. Et... C'est vrai. On a considéré qu'on n'avait pas les mêmes besoins au même endroit. Et donc, effectivement, et là, je reprendrai les propositions de Vincent Feltès, il y a sûrement des secteurs, et on va le faire, où il va falloir faire plus d'îlotage, plus de présence physique, qu'il soit visible. On pense au Grand Parc. Aux Aubiers, il y a un commissariat. A-t-on besoin de rajouter un poste de police nationale ? Je ne crois pas. Un poste de police municipale ? Je ne crois pas. Il s'agit de faire du maillage. Rajouter 8 mairies de quartier de plus,
Franchement, je ne crois pas que ça soit la bonne réponse. On a déjà un bon ancrage, un bon enracinement. Travaillons simplement à sûrement une meilleure répartition entre la police nationale, la police municipale. Faire de l'îlotage commun. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Il y aura des patrouilles communes. Voilà la réponse que l'on apporte. Et pas renchérir. Plus de bâtiments, plus de locaux, plus de, toujours plus. Oui, enfin, à un moment ou à un autre, autant rationaliser les choses. Sauf que nous, on a une vision un peu différente des choses. On pense que, comme on est maintenant une grande ville, 250 000 habitants, l'échelle des quartiers, peu importe, 8, 12, 16, on peut rediscuter, est la bonne échelle pour la police municipale, pour la gestion du budget, pour la proximité avec les associations. Donc nous, on est d'avis, globalement, de décentraliser, d'une certaine manière, l'échelle municipale. Pierre-Hermique. Je vais vous dire, je ne suis pas favorable à des commissaires de quartier. Je considère que les policiers, ils doivent être dans la rue. C'est là qu'on les attend. L'îlotage, ce n'est pas d'être dans une machine à écrire, dans un commissaire. Si on a besoin de locaux, on a les mairies annexes. Donc je ne suis pas pour qu'on crée davantage de structures. Ce n'est pas à la hauteur du besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des policiers dans les rues qui fassent ce qu'on appelle de l'îlotage, c'est-à-dire qui se promènent à pied, à bicyclette. Et quand on dit dans les quartiers, mais même dans les quartiers, quand on a dit quartier, on n'a pas dit grand-chose. Dans le quartier, il faut principalement cibler peut-être dans la journée les sorties d'école, les entrées et les sorties d'école. Je pense que nos enfants ont besoin quand même d'un maximum de sécurité et Dieu sait qu'un certain nombre de tentations existent. Et puis le soir et la nuit, je suis désolé, c'est les établissements de nuit qu'il faut. Un policier à la sortie d'un établissement de nuit, je pense que c'est de nature un peu à calmer quelques esprits un peu échauffés. Donc il faut effectivement que la police n'aille pas seulement dans les quartiers, mais dans les quartiers, dans les coins les plus chauds de chaque quartier, mais qui soit, j'insiste, qui soit vraiment dans la rue et pas accaparé par des tâches administratives. Si je peux ailleurs. La seule réponse, elle n'est pas celle de la police municipale. On fait une fixation, tout le monde fait une fixation sur la police municipale. Il y a la prévention, la médiation. On va en parler. Sur le côté solution à sécurité. Il y a le dispositif, j'en parlais, c'est passé un peu inaperçu dans le débat, du rappel à l'ordre. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je considère que c'est une bonne chose. Et Madame le procureur dit que c'est aussi une bonne chose. Il y a tout ce travail d'accompagnement, d'identification et le travail judiciaire derrière, de signalement. Donc c'est tout un dispositif. Il n'y aura pas qu'une seule solution. Ce sont plusieurs solutions. C'est la vidéosurveillance. On a augmenté le nombre de caméras de vidéosurveillance sur le territoire. C'est un autre sujet qui vous divise, messieurs. Est-ce qu'on peut en parler, Pierre-Hermique? Je crois que vous n'êtes pas favorable, vous, à la vidéosurveillance, au développement, en tout cas, de la vidéoprotection. Non, mais je vais peut-être vous étonner, mais les discussions que j'ai pu avoir, notamment les syndicats de policiers, police nationale, mais même police municipale, m'ont un peu apporté pour la première fois, ça n'avait jamais été fait en conseil municipal, m'ont apporté un peu ce que pouvaient être éventuellement les vertus de la vidéosurveillance. On m'a expliqué qu'effectivement, un certain nombre d'affaires judiciaires avaient pu être résolues grâce à la vidéosurveillance. Donc je dis dont acte. Mais cela n'est absolument pas à la hauteur de la petite délinquance de rue dont on est en train de parler. Depuis un moment, ce n'est pas la vidéosurveillance. Et la vidéosurveillance, c'est quoi? C'est demander à la police municipale, d'abord d'être derrière des écrans au lieu d'être dans la rue, de surveiller un certain nombre d'actes de délinquance, de faire remonter les informations auprès de la police nationale. Moi, je dis, si l'État veut faire de la vidéosurveillance, M. Cazenave, il se paie des caméras de vidéosurveillance, mais il n'instrumentalise pas la police municipale, qui est déjà pas suffisamment nombreuse, pour faire le job à la place de l'État. Alors, vous y croyez à la police? C'est nous qui avons fini dans ces SVP qui tiennent la vidéosurveillance. En l'occurrence, c'est pas des policiers municipaux, c'est des ASVP. Hein, oui, c'est des assistants. Oui, non, mais quand même, c'est par ailleurs. Par ailleurs, pour le coup, laissez-moi finir. Par ailleurs, j'ai autorisé la direction départementale de la sécurité publique d'avoir un accès direct, justement, pour qu'ils bénéficient de ce maillage et qu'ils puissent, dans le cadre de leurs enquêtes, s'appuyer sur le réseau de vidéosurveillance. Thomas Cazenave est en retard. Oui, voilà, moi j'ai une interrogation, voire j'ai une petite inquiétude à vous écouter, notamment M. Florian. J'ai l'impression qu'au fond tout va bien. Non, on rajoutait une somme de petites. C'est caricatural. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Merci. Mais quand on dit des choses caricaturales, j'interviens. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Une somme de petites choses. Moi je crois qu'il y a une véritable refondation de la police municipale à entreprendre. Dans la présence, dans son organisation, dans le fait qu'il faut dédier des moyens à la lutte contre le harcèlement. Vincent Feltès évoquait un sujet sur lequel j'ai fait des propositions, c'est est-ce qu'on peut expérimenter à l'échelle métropolitaine une police municipale, notamment sur les transports. Je rappelle que les chauffeurs, les conducteurs de tramway et de bus ont menacé à la prochaine agression de faire grève. Quelle est la sécurité assurée sur les transports? Et les transports, ce n'est pas la maille de la ville. J'ai quand même l'impression qu'on se contente de beaucoup de dispositifs qui existent, qu'il faut fluidifier, sans prendre à bras-le-corps ce sujet-là, qui est un sujet d'inquiétude. Et sur la question du rappel à l'ordre, je voudrais savoir combien de jeunes, par exemple, pour prendre un exemple, qui sont aujourd'hui, et moins jeunes pour certains,
au centre commercial Place de l'Europe ont été convoqués pour un rappel à l'ordre. Mais ça n'existe pas encore, monsieur Cazenave. Vous envisagez les oui. convoquer dans votre mais bureau. Mais il faut pouvoir J'attends disposer. Ça avec impatience. Mais ça marche ailleurs. Ah, enfin, oui. pour expliquer à monsieur Cazenave, ça n'existe pas encore sur Bordeaux. Oui, oui. Et c'est la demande, et c'est l'accord que j'ai obtenu de madame le procureur. Donc on va le mettre en place avec un d'accord. conseil des droits et des familles. Moi, je ne veux pas qu'on ait beaucoup une vision d'annonces. Caricaturale. Mais beaucoup d'annonces. Moi, j'agis. Je ne veux pas qu'on ait une vision caricaturale des choses. On parle. Non, c'est une addition. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le ministre de l'Intérieur. Ou alors, vous considérez que le ministre de l'Intérieur va dans le mauvais sens. Ne le faites pas parler, monsieur Florian. Vous avez l'habitude de faire parler les autres. Je lis. Je suis pas le seul. Je lis ce qu'il dit. J'écoute ce qu'il dit. Son livre blanc, c'est bien d'aller nous demander notre avis et de savoir comment on peut travailler en collaboration. Sur le sujet, on l'a pas entendu sur cette question. Non. Moi, ce qui m'embête un peu dans le débat, c'est à chaque fois, on a une fascination pour les armes à feu, pour les caméras. Non, mais pour des outils. Alors que l'on sait bien. Moi, je vous parle de mon expérience. J'ai été maire de Blanquefort une dizaine d'années sur un territoire qui avait des problèmes de délinquance forts. Et on a fait baisser la délinquance de manière extrêmement importante. On était même cité en exemple au niveau national. C'était en zone gendarmerie. À la fois, il y a les moyens. Et en même temps, parce qu'effectivement, on a réussi à mettre en place un partenariat avec tous les acteurs de la chaîne de l'insécurité. On connaît ça par cœur. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis allé plusieurs fois au Grand Parc, notamment parce que j'ai été très choqué par le féminicide qu'on a connu récemment au Grand Parc. J'ai discuté avec les acteurs, j'ai discuté avec le centre social, qui est quand même incroyable. Cette personne, elle était connue. Oui. Elle venait de la rive droite. Elle était connue par le centre social de Bordeaux. Même au moment de son meurtre, ses enfants étaient au centre social et à un moment... Visiblement, il y a eu un défaut de partenariat. Je ne parle pas de police municipale ou de police et tout, mais il y a eu un drame incroyable. Et surtout, on sait que son mari a dormi plusieurs fois devant l'appartement. Et donc, il ne faut pas être juste fasciné par telle ou telle mesure. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'effectivement, association, mairie, État, justice, société privée... Une meilleure collaboration sur ce genre de, oui, de problème, les féminicides, par exemple. Oui, sur ce problème, parce qu'il est terriblement dramatique. Mais ça vaut à peu près pour tout. Et c'est bien pour ça que nous, à chaque fois, on est sur l'échelle des quartiers et sur une vision à 360 degrés sur les armes à feu. Je vous répondrai, moi, je n'ai pas de tabou, mais je n'ai pas non plus de fascination. Mais c'est quelle conception globale on a de la sécurité et de notre ville, quartier par quartier, on va parler de vos heure positions par heure, sur population par population. Vous sentez bouillir, Thomas. Non, pas du tout. Je voulais réagir aux attentes exprimées ou supposées du ministre de l'Intérieur. Oui, il attend une meilleure coopération avec la police municipale. C'est oui, il attend, fait. Il attend que les caméras de vidéosurveillance soient en état de fonctionnement quand les policiers nationaux ont besoin de visionner. C'est ce qu'on fait. Ils attendent que les recrutements se fassent. Alors c'est qu'ils ce ne qu'on sont fait. Pas. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. J'ai l'impression que ça fait des mois que vous répétez la même chose. La question, c'est que ça ne se fait pas. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Pierre-Hermique. Oui, un mot. Moi, je pense qu'effectivement, la lutte contre l'insécurité, c'est une chaîne de responsabilité. Mais que chacun fasse le job à son niveau. Et là-dedans, dans cette chaîne, je ne sais pas si vous avez l'intention de l'aborder, à un moment donné, la prévention a donné de très bons résultats. On va l'aborder. Alors, je ne veux pas vous couper, Pierre-Hermique, mais justement, revenons sur les propositions qui ont été émises. Alors, je vais être un peu caricatural, excusez-moi, mais c'est le jeu. Nicolas Florian, vous parlez de brigade canine, vous parlez de drone. Vous, Thomas Cazenave, vous parlez de brigade anti-harcèlement. Est-ce qu'on n'est pas dans l'affichage de mesures un peu gadget, au fond ? Alors, me concernant sur le harcèlement, je vais vous dire, ça ne correspond pas, la façon dont vous le décrivez, à ce que nous disent notamment les Bordelaises, qui, dans la rue, qui, dans les transports, sont victimes d'actes déplacés et de harcèlement. Et je considère que ça fait partie de nouvelles priorités. C'est mais sûr, je ne me retrouve pas. On a du mal à imaginer concrètement comment une brigade anti-harcèlement pourrait se trouver. Les dispositifs de signalement. Où sont les zones dans lesquelles les jeunes femmes en particulier sont le plus souvent victimes de harcèlement? Accompagner les victimes. Vers qui peuvent-elles se tourner? Une oreille attentive qui prend en charge, qui assure le suivi. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire sur ce champ-là. Donc oui, c'est vrai que je préfère mettre des moyens sur la lutte contre le harcèlement plutôt qu'en équipant les policiers municipaux de chiens, de drones, voire d'armes à feu. Vous mettez combien de personnes dans cette brigade ou... 20. 20. Nicolas Florian. Dire qu'on a signé au mois de juillet une convention qui réunit la police nationale, qui réunit le bâtonnier pour les avocats, l'ordre des avocats, qui a signé sur tous ces sujets de harcèlement et de violence faite aux femmes.
tant sur le signalement, et d'ailleurs on a aussi CIDF qui a signé, les associations pour être dans la prévention, mais aussi dans la répression, et qu'il y ait un accompagnant. Ça a été fait au mois de juillet. Je reviens sur ce que vous disiez. Non, ne pensez pas que l'addition de mesures d'action soit vaine. Quand on parle de chaîne de sécurité, de dispositifs, il ne faut rien s'interdire. Il ne faut rien s'interdire. On parle de l'armement. Moi, je ne suis pas pour l'armement par religion. Pour ou contre l'armement? Mais moi, je vais ouvrir le débat au Conseil municipal. Pas anecdotique, quand même. Bien sûr. Je sais bien qu'on a toujours tendance à évacuer cette question. Non, mais c'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que je n'ai pas attendu le débat pour qu'on se saisisse de ce sujet et qu'on a travaillé depuis de nombreux mois. Et s'agissant de... cette police des transports, oui, mais c'est à l'échelle métropolitaine. Et ça fait partie d'ailleurs des discussions que nous avons avec notre délégataire, qui a son propre dispositif. Et nous devons travailler avec eux, mais avec l'État aussi, et surtout parce que c'est sa mission. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai proposé, je demande au président de Bordeaux Métropole, Patrick Bobet, on a eu une discussion là-dessus, que notamment on assure la gratuité des policiers nationaux dans les transports en commun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'ils puissent prendre les transports en commun gratuitement, d'accord, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va laisser Vincent Pelletès répondre sur la question du harcèlement. Sur notamment. La question du harcèlement, nous, dans les 20 propositions que l'on fait, il y a aussi la proposition de travailler plus avec la population. Parce qu'on sait bien qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins touchés. Et parmi vos 4 témoignages, toutes les femmes vous disent que Porte de Bourgogne, c'est quasiment impossible d'y aller. Que sortir du parking qui a été réouvert Sablière et de remonter, c'est une zone de, entre guillemets, non-droit pour les femmes. Voilà. Et quand on voit des expériences dans d'autres pays ou en Espagne, à un moment, il y a aussi une sorte d'appropriation physique par des femmes qui disent « là, il y a telle ou telle difficulté et on voudrait que la police municipale soit plus présente ». Et donc ça, c'est une proposition très concrète. Souvenez-vous, comme il y a quelques mois, il y a des balades nocturnes qui ont été faites sur le campus pour montrer les zones de difficulté. Et c'est pour ça que nous, on est bien dans cette chaîne de participation, y compris de la population, et que, par exemple, les chiffres de la délinquance doivent être mis en ligne, doivent faire l'objet d'un débat, et la population doit pouvoir interagir ou signaler un certain nombre de choses. Pierre Hermic, sur cette question... Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, ça rejoint une de mes interventions initiales. Je pense que c'est la présence physique sur le terrain qui est de nature à dissuader un certain nombre d'actes de délinquance, comme ceux qui viennent d'être décrits. Actuellement, il y a beaucoup d'actes de cette nature dans le tramway. Hein, beaucoup, vous l'avez dit, M. Cazenave, juste dit. Mais est-ce que vous savez que le tramway est vidéosurveillé? Il est vidéosurveillé. Ça n'empêche pas ces actes-là. Donc ça veut dire que la vidéosurveillance que vous appelez de vos voeux un peu partout, ou monsieur le maire... Je ne suis pas exprimé sur la vidéosurveillance. Non, j'ai dit que j'étais nuancé. On a le droit d'être nuancé. Sans être pour ou sans être contre. Si, ça veut dire que vous aviez mis un avis. Oui. Je pense qu'il faut multiplier la présence sur le terrain. On parlait autrefois de la peur du gendarme, ça paraît peut-être un peu simpliste, mais c'est vrai que la peur du képi, je pense que c'est une réalité et que l'on n'a pas le droit de se priver. Alors ne rêvez pas de solution technique. La vidéosurveillance, j'y reviens, nous avait été présentée comme la solution miracle. Le progrès nous a amené une façon de lutter contre la délinquance, qui nous a coûté fort cher d'ailleurs en investissement. Oui. Ça n'a pas marché, les résultats sont là, ça ne marche pas, il faut que vous l'entendiez, ça aussi. Mais ça ne marche pas. Ça marche pour la petite délinquance. Ça marche tellement qu'elles sont des fois vandalisées. La petite délinquance dont elle est en train de parler, là, depuis le début, là, on parle de harcèlement, petite délinquance, entre guillemets, mais on n'est pas dans les crimes de sang quand même. Pour ça, ça ne marche pas. Je suis désolé de vous dire, c'est pas dissuasif. Donc, c'est pas vous que je dois regarder, c'est M. Florian que je dois regarder en disant cela. Donc, il n'y a pas de solution technique meilleure, parfaite. Et surtout, éviter d'être dans la surenchère. Quoi. En disant, on va armer tout le monde. Demain, vous armerez peut-être les agences privées de surveillance. Peut-être demain, vous mettrez des bazookas dans les coins de rue, etc. À un moment donné, il faut raison garder, M. Florian. Oui, l'armement... Venez pas m'expliquer qu'il y a un problème. Et chaque fois qu'on apporte des solutions, on me dit que ce n'est pas la bonne. Et que vous-même, de votre côté, vous n'avez aucune solution. J'ai envie de dire, celles que vous avez utilisées jusqu'à présent n'ont pas été très performantes. Elles n'ont pas été très performantes. Quelles sont vos solutions? J'en ai dit quelques-unes, quand même. Je les ai pas Que l'entrée par l'équipement est une très mauvaise entrée dans le débat. On est d'accord là-dessus. La question, vous avez raison, Pierre, c'est le nombre. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai proposé qu'on recrute massivement des policiers municipaux pour qu'ils soient plus présents. Et les organiser différemment, clarifier leur mission. Et honnêtement, considérer que pour lutter contre les incivilités, le harcèlement, les nuisances,
des drones, des armes et des chiens y répondront, je n'y crois absolument pas. Ce n'est pas ce qu'on a dit. J'ai repris le communiqué de presse, monsieur Florian, donc un peu d'honnêteté, s'il vous plaît. Non, monsieur, vous qui êtes malhonnête. Ah bon, bah alors il va falloir faire un communiqué annulant votre précédent communiqué de presse. Mais il faut remettre les choses dans la réalité. Bah écoutez, je vous cite. Excusez-moi, je vous cite. Vous êtes d'accord tous les deux pour dire qu'il faut muscler les effectifs de la police municipale. Je remarque d'ailleurs. Pas que les deux, il faut pouvoir le mettre dans l'eau. Les autres prennent toutes les propositions que j'ai faites. Ah, vous êtes arrivé toutes les propositions que j'ai faites sur les entreprises. Sauf que vous ne parlez jamais de médiation, vous ne parlez jamais de prévention. Quand on en parle, vous n'avez pas le moment. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Je voulais quand même revenir sur l'interpellation de M. Urmic sur la vidéosurveillance. Je ne me suis pas le chantre de la vidéosurveillance. Néanmoins, je considère que la vidéosurveillance, elle peut être utile. Mmh. Elle peut être utile pour élucider des crimes et délits. Voilà, donc je n'ai pas de religion sur la vidéosurveillance. C'est pas la solution miracle. Je suis assez pragmatique. Je pense que c'est un bon complément. Rien ne remplacera la présence physique sur le terrain, à l'écoute, en proximité, pour également mieux travailler avec la police nationale. C'est merveilleux. On est d'accord. Nicolas Florian, on est d'accord. C'est merveilleux. On a eu des échanges assez durs au début, mais monsieur, on est d'accord sur certains points. Repréciser quand même, encore une fois, c'est une chaîne de mesures. Quand je parle de brigade cynophile, vous me dites l'expertise. C'est ma police municipale qui me le propose. Quand on a le débat sur l'armement, et je vais le mettre à l'ordre du jour du conseil municipal, ça dépasse les clivages politiques. J'ai vu d'autres candidats dans d'autres villes, à Paris, ailleurs, qui sont sur ces sujets. La ville de Lyon, la police municipale est armée. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui est concerné. La ville de Toulouse... Voilà. Bon, il ne s'agit pas d'armer tout le monde. Il s'agit au moins d'avoir ce débat pour la propre sécurité des agents. Parce qu'on me dit on veut recruter, mais enfin, il faut aussi assurer la sécurité des agents. Quand j'équipe la police municipale de caméras piétonnes, c'est aussi pour leur propre sécurité. Quand on les équipe de taser, c'est pour leur sécurité. Moi, j'écoute, je les rencontre. Je les ai vus encore il y a 15 jours. C'est une demande qu'ils font. Sur les caméras de vidéosurveillance, vous me caricaturez avec les drones. J'ai pas dit qu'on allait mettre des drones. Vous l'avez pas dit, vous l'avez écrit. Il y a même des images. Laissez-moi finir. Voilà. Vous savez, les mots ont un sens et il faut arrêter de caricaturer les choses parce que vous caricaturez vous-même dans cette affaire. J'ai dit simplement, par la preuve, que des caméras de vidéosurveillance, et on venait d'en installer une aux objets qui étaient vandalisés dans l'heure qui suivait. Je dis simplement qu'à un moment ou un autre, sur des sites bien déterminés, et c'est la discussion que j'ai eue avec l'État, ça ne m'est pas venu tout seul, sur des zones notamment de trafic de stupéfiants. Ben, l'idée d'avoir un drone qui vienne surveiller, ça a du sens, tout simplement. Pas pour la police municipale. Alors, Vincent Felletet, c'est en retard. Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de sécurité, il faut avoir une doctrine et une vision claire. Et là, vraiment, la position de Nicolas Florian est très inquiétante. Il y a 3 semaines, il fait une conférence de presse, on a les drones, les armes à feu, les chiens... Et là, il nous parle de médiation. Je pense que c'est compliqué, sur un sujet aussi sensible, de changer de position. Je sais que j'ai bon dos dans cette affaire, parce que c'est moi qui suis aux affaires. Vous vous parlez, moi j'agis. Bon. Ah, mais attendez, j'ai présidé la métropole pendant 7 ans, j'étais maire 10 ans. On l'a oublié. Vous teniez l'appareil du RPR. Ça s'est oublié, oui. Moi, toutes ces propositions, je les ai faites dans le cadre d'une réunion sur les quartiers de reconquête républicaine. Ça ne m'est pas sorti comme ça, sur le bord d'un comptoir. En fin de soirée. Et là, Florian, le temps passe. On n'a pas abordé encore la question de l'armement des policiers. Vous avez dit, justement, on l'a évoqué, mais on n'a pas vraiment... Vous êtes pour ou contre ? Parce que là, on a du mal. La question s'adresse à vous. Alors, justement, messieurs... Réponse simple, courte. J'ai simplement dit que j'organiserai un débat en conseil municipal et que je consulterai. Voilà. Moi, pendant très longtemps, j'étais contre. Aujourd'hui, je pense que c'est une solution. Donc vous êtes pour. Oui. Donc vous êtes pour l'armement, les drones et les brigades canines. Donc vous êtes conforme. Alors moi là-dessus, je pense que Vincent Felletet a raison. Est-ce que vous êtes pour l'armement ou pas vous ? Vincent Felletet a raison. Vous êtes contre. Bon, mais dites-le. Vous évitez de faire les réponses à ma place. Quand Vincent Felletet dit que c'est pas clair, il a raison, c'est pas clair. Et maintenant, au moins, c'est clair. Bon, vous, Thomas Cazenave, vous êtes pour ou contre l'armement de votre propositions ? Mes propositions, je l'ai dit, la question de l'équipement viendra après la question de la redéfinition des missions et de la présence. Il ne faut pas avoir de vision dogmatique. Si demain on a un attentat à Bordeaux, bien sûr, ce seront des cibles, bien de ceux qui font dans les armées. En revanche, sur la police de proximité... Bon, moi, je n'attendrai pas qu'il y ait un attentat pour les armées. Vous pourriez me laisser terminer ma phrase. Je crois que pour être sur les sujets qui sont les nôtres, la lutte contre les incivilités, la présence, la lutte contre le harcèlement, les armes, les drones et les chiens sont parfaitement inutiles, voire un peu anxiogènes, de voir des policiers municipaux
avec des bergers allemands sillonnant la ville. Excusez-moi, ce n'est pas ma conception de ce que doit être une police municipale. Non, c'est, encore une fois, voilà. C'est caricatural. Je parle d'une brigade cynophile. Et tout ça se fait en discussion avec les professionnels. Ce n'est pas équiper tout le monde d'armes. On a aujourd'hui des gens qui ont des tasers. C'est pas des chiens partout, c'est une brigade. Et par ailleurs, encore une fois, je parle du rappel à l'ordre, c'est pas au courant que ça n'existait pas encore. C'est d'autres dispositifs, il y a de la médiation, il y a de la prévention. Ne résumez pas à quelques propositions sorties d'un contexte général. Allez, Pierre Urmic, vous, l'armement de la police municipale, si vous êtes élu maire. Résolument hostile, considère que ça contribue à une espèce de banalisation des armes létales qui circulent dans la ville, et pour accomplir le boulot qui est le leur, je reviens là, les policiers municipaux, c'est-à-dire assurer la tranquillité publique, lutter contre les incivilités, je ne vois pas en quoi le fait d'être armé vous aide à accomplir cette fonction-là. Ils ne sont pas pour lutter contre la délinquance comme le sont les policiers d'État. Et j'ai rencontré des policiers municipaux, je vous l'ai dit, pour discuter la question. Aucun ne m'a dit on souhaite être armé. On n'a pas rencontré les mêmes. J'ai rencontré des syndicalistes qui sont censés les représenter. Il faut savoir qu'ils sont déjà munis de tasers. Ça, on ne le dit pas. Ils ont déjà, s'ils sont agressés, ils ont déjà largement de quoi se défendre. Donc n'essayez pas de trouver des solutions techniques miracles. Si vous avez des difficultés à recruter aujourd'hui des policiers municipaux, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas armés. C'est parce qu'il y a des difficultés, effectivement, de recrutement, peut-être de salaire aussi, peut-être de clarification des fonctions que vous leur confiez. Mais c'est de là qu'il vient le problème. Absolument pas d'une demande d'armement. Vincent Pelletier, vous ne fermez pas la porte, vous, à l'armement de la police municipale. Oui, mais j'ai un peu le même raisonnement que Thomas Cazenave et ainsi de suite. C'est, à un moment, il faut qu'on remette à plat la stratégie de lutte contre la délinquance et dans cette stratégie avec l'ensemble des acteurs. Je vois bien que la Florian, que vous êtes en train de changer de position. Mais non. Mais si, ce qui est quand même un peu inquiétant. Vous êtes aux affaires, vous faites une conférence de presse et trois semaines après, sur un débat, vous coupez surtout la parole. Vous dites des inexactitudes. Mais attendez, tout le monde l'a vu, cette conférence de presse, vous annoncez des choses et vous faites le contraire. Une fois qu'il y a une remise à plat, on voit si la question de l'armement est si importante que cela ou pas. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai ni fascination, ni tabou. En revanche, la question des effectifs, la question de l'organisation, la question de l'articulation avec les associations qui souffrent malgré tout beaucoup. Je reviens sur le Grand Parc. Grand Parc, 50% des familles monoparentales, 60% des enfants qui sont en dessous du taux de pauvreté. Quand vous regardez les locaux, d'ailleurs ça avance pas le dossier, centre d'animation, centre social, il n'y a pas la présence qu'il faut, il n'y a pas l'aide qu'il faut au niveau des associations. Donc c'est aussi pour cela que nous, dans notre politique globale, il y a un soutien massif aux associations. J'y suis plus souvent que vous, Monsieur Feltès. Il nous reste pas beaucoup de temps, messieurs. On va parler, vous l'avez vous-même évoqué, la prévention, qui est quelque chose de très important. On a évoqué vos solutions de répression, si on peut dire, face à la délinquance. Mais alors, que fait la ville, ou que doit-elle faire, en tout cas, pour empêcher, pour prévenir ces actes? Mais ce n'est pas ce qu'elle doit faire, c'est ce qu'elle fait déjà, qu'est-ce madame. Qu'est-ce qu'elle fait, alors? Qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce qu'il y a des associations avec lesquelles vous travaillez? Ce qu'elle fait. Non, mais arrêtez de faire le maître d'école, ça va. On attend vos réponses. Vous parlez, encore une fois, moi j'agis. Il n'y a pas simplement le centre d'animation. Laissez parler Nicolas Florian. Mais non, mais ça, c'est les électeurs qui jugeront. Allez-y, Nicolas Florian, justement. Il n'y a pas simplement les centres d'animation, les centres sociaux. Il y a de la médiation. On a des animateurs et des éducateurs de rue. Bon. On a le service prévention. Il y a le service prévention du conseil départemental. Vous avez le Prado qui intervient, le Calque. Ce matin, moi, j'étais à Saint-Projet, on avait deux médiateurs, j'étais avec eux, on fait de la prévention. Il y a tout le tissu associatif. Est-ce qu'il est assez développé ? Mais bien sûr qu'il est assez développé. Il faut lui donner plus de moyens. C'est pour ça que j'ai rajouté 500 000 euros cette année. Et ça a permis, d'ailleurs, de faire du travail de proximité, parce que c'est bien beau tout ça, mais moi, je suis dans la proximité, je suis un maire de proximité, et je travaille avec tous les acteurs locaux. On travaille avec le centre social, c'est vrai. Il y a les centres d'animation, c'est vrai. Et puis, il y a tout ce travail souterrain qui se fait de proximité. Moi, je veux lutter contre l'isolement et la solitude. Et c'est aussi ça, faire de la prévention. C'est aller voir les victimes, ou celles qui sont seules, face aux difficultés, des parents isolés. Bien sûr, c'est pour ça que le rappel à l'ordre, ça a du sens. Installer un conseil des droits et des devoirs pour les familles, pour aider les parents à accompagner leurs enfants. Mais on le fait au quotidien. Thomas Cazenave, on vous a vu sourire.
Non, parce que je trouve depuis le début. Mais que, vous faites quoi, vous, maire de Bordeaux, si vous êtes. Voilà, je trouve qu'il faut un peu de, il faut un peu de clarté et aussi pointer quand les choses ne vont pas, quoi, avoir un regard lucide, parce qu'à vous écouter, on a l'impression objectivement que tout va bien. Je pense qu'on en revient exactement à la, au point de départ de notre discussion, c'est l'organisation de nos services publics et l'organisation des services publics municipaux en lien avec les associations, les services de l'État, les services du département, et je souhaite qu'on les organise différemment. À la maille des 16 quartiers. Pourquoi ? Parce que pour prévenir, faut-il encore connaître ? Faut-il identifier ? Faut-il être présent ? Et c'est donc cette organisation différente des services publics que l'on doit réaliser. Donc c'est une transformation des services publics municipaux pour être dans une plus grande prévention, connaissance, connaissance des publics. On n'a pas encore évoqué le cas des mineurs non accompagnés. Vous savez qu'ils sont présents dans la ville. Ce sont des enfants qui sont généralement des proies potentielles. Et qu'il ne faut pas laisser dans la rue, il faut les connaître, les identifier, être présent. Et c'est ça la proximité. Et donc, plutôt que faire une somme de déclarations de choses qui sont déjà faites, moi je propose une organisation différente de notre action à la maille des 16 quartiers. Mais différente, c'est-à-dire ? Différente, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir des équipes municipales, je veux les organiser à la maille de 16 quartier quartiers. Par quartier. Ce n'est pas vrai, monsieur Florian. On ne peut pas. Renseignez-vous un peu. Éviter de. Non. Je vais répondre. Sur le terrain, je vais répondre. Je vous y croise pas beaucoup. Je vous y croise pas beaucoup, monsieur Florian, quand j'y suis. Et je vais vous dire, vous ne pouvez pas asséner des contre-vérités. Ne dites pas que les services. Laissez-moi finir. Vous n'énervez pas. Laissez-moi finir. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, les services de la ville sont organisés autour de 16 quartiers. C'est un mensonge. Mais non, il n'y a pas 16 quartiers. Et est-ce qu'on a besoin de 16 quartiers ? Ah ben voilà, alors donc, ne me dites pas qu'on est organisé à la maille des 16 quartiers. Mais parce qu'on n'a pas besoin de 16 quartiers, M. Florian. On n'a pas besoin de 16 quartiers. Mais moi, je pense qu'on en a besoin. En termes de prévention, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes maire de Bordeaux, Pierre-Hermic. Vous mettez quoi en place ? C'est vrai que depuis le début, on ne parle dans ce débat uniquement de police, police municipale, police nationale, alors que les acteurs pour assurer la sécurité sont multiples. Et notamment, j'ai envie de parler, effectivement, des acteurs qui s'occupent de la prévention. Et il y a des associations extrêmement méritantes sur le terrain municipal qui travaillent, qui souvent ont du mal à joindre les deux bouts, ont des budgets qui sont parfois très difficiles et qui font un boulot énorme. Moi, maire de Bordeaux, je ferai tout pour que la prévention de la délinquance, et d'ailleurs dans les compétences du maire, soit vraiment une compétence exercée sur le terrain. Et je m'entourerai d'acteurs compétents, notamment associatifs, pour effectivement privilégier ce rôle-là qui me paraît tout à fait fondamental. J'ai vu qu'il y a une nouvelle procureure de la République à Bordeaux, tout le monde le sait, qui a été installée il y a quelques jours. Alors j'ai retenu ces propos qui me paraissent très intéressants et je trouve qu'ils donnent un peu d'ouverture à notre débat. Donc je cite Mme Porterie, donc nouvelle procureure depuis à peu près 15 jours. Elle dit la chose suivante: « Je suis convaincu que la seule répression ne suffit pas. Et qu'un travail doit être développé sur le champ de la prévention, avec les élus, les membres du réseau associatif. » Je crois qu'effectivement, elle a 100% raison. Et je pense que le rôle du maire, c'est non pas d'assurer des fonctions qui ne sont pas les siennes, mais de coordonner tout ça sur le territoire municipal. Moi, je serais favorable à ce qu'il y ait des rencontres très régulières entre les différents acteurs qui s'occupent de lutte contre la délinquance et les incivilités. CLSPD, pas seulement les policiers, pas seulement la préfecture, pas seulement le parquet, mais pas seulement les acteurs que vous venez de citer. Mais il y a des tas d'acteurs de terrain qui sont très préoccupés de cette solution-là et qui ne demandent qu'à s'impliquer davantage. Donc, la lutte contre la délinquance, contre les incivilités, ce n'est pas un débat de spécialistes. Nous sommes tous concernés, nous avons tous un devoir, à la place qui est la nôtre, de nous impliquer dans ce combat-là. Vincent Feltès, on va vous écouter sur la prévention. Non, je veux dire, moi, maire de Bordeaux, je ferai confiance aux associations et je ne les infantiliserai pas. Je ne leur demanderai pas de frapper à la porte de 5 adjoints différents, pas forcément d'accord entre eux, pour avoir des 1 000, 2 000, 3 000 euros. Je ne leur demanderai pas de répondre qu'aux appels à projets, mais je leur donnerai une certaine visibilité sur 3 ans. Je leur ferai confiance parce que c'est eux qui sont proches du terrain et je ne leur demanderai pas d'être à telle et telle manifestation. Je pense qu'il y a un rapport qui doit être plus sain avec les associations dans cette ville pour la prévention comme pour d'autres domaines. Plus sain, qu'est-ce que vous entendez par là ? Mais quand vous voyez aujourd'hui l'espèce de précarité dans lesquelles sont toutes les associations, les déficits d'associations connues de dizaines de milliers d'euros, et à chaque fois, elles doivent aller chercher 1 000, 3 000 euros, parfois sur la ligne du pacte, parfois sur la ligne contre la discrimination, parfois répondre à tel ou tel appel d'offres, où on considère que les associations ont un savoir-faire,
C'est ce que nous, on a dans notre collectif associatif et on est plutôt sur des conventions triennales de confiance et pas un bout de fil, un bout de pacte, un bout de lutte contre les discriminations, un bout de sport, un bout d'adjoint de quartier. C'est encore une vision un peu caricaturale, excusez-moi. C'est juste comme ça. Discussion régulière avec les associations. Oui, on répond rapidement, après on va conclure chacun. Je rappelle quelques chiffres, parce que des fois j'ai l'impression de ne pas vivre dans la même ville. Vous n'êtes pas dans la même ville que les Bordelaises et Bordelais. Oui, mais si, moi j'y suis au quotidien. Nous aussi. Oui, enfin, depuis peu. Ah bon ? Oui, oui. Bien avant vous, monsieur Florian, je crois. Et 41 millions d'euros de subventions aux associations, c'est sûrement pas suffisant, mais enfin, c'est déjà beaucoup. Et on travaille beaucoup avec eux. Et quand on fait le pacte de cohésion sociale, c'est les associations qui viennent voir pour travailler avec eux. Alors, ne laissez pas penser qu'on laisse des gens sur le bord du chemin, ce n'est pas vrai. Pierre-Éric, oui, je voulais juste apporter une précision. Quand je parlais tout à l'heure de meilleure articulation entre les différents acteurs de la chaîne pénale, j'ai une proposition à faire, mais sur laquelle je pense que vous pourriez être d'accord. Meilleure collaboration entre le maire et les services judiciaires, notamment le tribunal correctionnel. Actuellement, il y a une peine qui est un substitut à la prison qui s'avère très efficace, qu'on appelle les travaux d'intérêt général. Travaux d'intérêt général qui souvent ne sont pas ordonnés parce qu'on a du mal à trouver des acteurs de terrain qui veulent bien encadrer les jeunes. Souvent, c'est souvent des jeunes, des primo-délinquants, qui échappent à la prison en faisant travail d'intérêt général. Moi, maire de Bordeaux, puisqu'on me posait la question, je ferai en sorte que la ville de Bordeaux soit vraiment pionnière pour faire en sorte que des travaux d'intérêt généraux puissent être faits sur le territoire municipal, avec les services municipaux, avec éventuellement les policiers municipaux. Mais ça serait, à mon avis, une collaboration intelligente entre les tribunaux correctionnels et le maire de Bordeaux. Et je suis persuadé que ça marcherait très bien. Et on va le faciliter, puisque la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a annoncé la création de l'agence du travail d'intérêt général qui facilitera ce type de proposition. Oui, mais quand vous dites nous, vous parlez État, moi je parlais maire. Mais là, vous avez besoin de l'État sur ce sujet-là. Vous avez rappelé le pouvoir judiciaire, ce n'est pas rien. Mais je veux que le maire s'implique dans la chaîne. Je veux que le maire s'implique, et ça, ça ne dépend pas d'autres, ça dépend uniquement du futur maire de Bordeaux. On va vous laisser encore un peu de temps pour essayer de convaincre les Bordelais et les Bordelaises, puisque vous allez avoir chacun une minute pour conclure. Alors, on a fait un tirage au sort juste avant le début de ce débat. Thomas Cazenave, c'est vous qui allez commencer. Vous avez une minute et pas une seconde de plus. Merci. Moi, je crois que sur la question de la sécurité, il faut d'abord éviter le déni. Cette situation, elle existe dans certains quartiers et qui appelle une réponse différente. Je pense qu'il faut nous organiser différemment, faire autrement que ce qui a été fait ces dernières années. Organiser la police municipale à la maille des quartiers, à la maille de quartiers plus petits, nos 16 quartiers, pour avoir des policiers municipaux plus présents sur le terrain, avec des effectifs renforcés qui contribuent au lien social et en traitant des priorités nouvelles, je crois à la question du harcèlement et je crois à la question aussi de la police des transports qu'on pourrait expérimenter à l'échelle métropolitaine. C'est au fond la question de la sécurité, mais c'est plus largement la question du mode d'action de la ville qu'il nous faut repenser. Merci Thomas Cazenave. Nicolas Florian. Mais moi je m'adresse directement à ceux qui nous regardent et leur dire que je n'accepterai jamais que notre ville sombre dans un climat d'insécurité et d'incivilité. On a une culture de bien vivre ensemble à Bordeaux et il faut la maintenir. Et aujourd'hui, je ne veux pas qu'on bascule de l'autre côté de la barrière. C'est pour ça que je travaille en collaboration avec les acteurs associatifs, parce que la médiation, la prévention, ça a du sens. Avec les acteurs de l'État. Seule la police nationale ne peut pas répondre à tout. Mais la police municipale ne peut pas se substituer à la police nationale. Et c'est le travail aussi avec le pouvoir judiciaire. Et puis enfin, moi je pense surtout aux victimes. Parce que derrière tous ces débats, il y a l'être humain, la personne, la Bordelaise, le Bordelais qui est victime. Bon, c'est à eux aussi que je pense et c'est pour ça qu'on engage un certain nombre d'initiatives qu'on ne prend pas seul. On le fait toujours en collaboration avec les autres. Vincent Feltès. Bordeaux s'est beaucoup développé ces dernières années et il y a maintenant un phénomène d'emballement. Face à cet emballement, l'équipe municipale n'arrive pas à réagir. Pas à réagir sur le prix des logements, pas à réagir sur les embouteillages, pas à réagir sur la question de l'insécurité. Nous, on a une approche qui est de décentraliser le pouvoir quartier par quartier pour avoir une maille de réponse à l'insécurité et sur les sujets les plus compliqués, les plus complexes, la nuit, l'échelle métropolitaine avec une police métropolitaine. Et donc, c'est la proximité et la métropole en force d'action rapide qui nous semble être la bonne solution. Pierre Urmic, vous fermez le banc. Je pense que le but d'une conclusion, c'est d'élargir le propos
pas de revenir sur ce qu'on a déjà dit. Donc l'élargir, pour moi, ça veut dire, on a beaucoup parlé de la sécurité de rue. Or, pour moi, il existe d'autres types d'insécurité dont on n'a pas parlé. Ce n'était pas le sujet, mais permettez-moi de les aborder. J'ai envie de dire, c'est notamment des insécurités d'ordre alimentaire. Je pense qu'il est dans le rôle d'un maire de veiller à ce que, sur son territoire communal, il n'y ait plus de perturbateurs endocriniens, notamment il n'y ait plus de plastique sur l'espace public. La mairie commence à le faire en ce qui la concerne, mais il faut l'exiger. De tous les partenaires de la ville, il faut exiger également sur le marché davantage de produits bio. Je pense que le maire a un rôle à jouer là-dessus. Donc c'est une alimentation plus saine. C'est aussi la sécurité sanitaire, c'est aussi un air moins pollué. On a eu un débat en conseil municipal. Bordeaux, la pollution de l'air à Bordeaux s'aggrave actuellement. Et je pense que nous devons à nos concitoyens de respirer un air plus pur que celui qu'on leur impose quotidiennement. Et enfin, dernier point, je vais parler de sécurité climatique. Bordeaux a connu une canicule extraordinaire cet été. Place Péberlan, le 23 juillet, il faisait 41,2 degrés. Il y a eu des décès à Bordeaux comme ailleurs. Vous savez qu'au niveau national, 1500 décès à l'occasion de cette canicule. Je pense qu'il est du devoir d'un maire de faire en sorte que son territoire soit, excusez-moi le terme, soit résilient. C'est-à-dire qu'il y ait, qu'il y ait davantage d'espaces verts, que des gens puissent davantage supporter les étés caniculaires que nous sommes en train ou que vous êtes en train de leur préparer. Je pense que là, ça fait partie également de la sécurité publique que nous devons à nos concitoyens. Merci Pierre-Emic, merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. Écoutez, pour aller un petit peu plus loin, des analyses, les coulisses, on vous racontera tout ça demain dans les colonnes de Sud-Ouest sur sudouest.fr. Et ce débat est bien évidemment revisionnable à l'infini, à l'envi sur tv7.com. Merci à tous les quatre. Merci. On devrait se retrouver d'ici un petit mois maintenant pour un autre débat où cette fois on devrait parler de logement. Merci. 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 Au revoir.